Après son petit tour au marché de Papeete hier et dans quelques restaurants de Tahiti cette semaine, Babette de Rosière s'est envolée pour Bora Bora où elle a été accueillie comme il se doit. Elle a également pu rencontrer quelques cuisiniers de l'île et déguster bien évidemment quelques recettes. On rappelle que la figure de la cuisine ultramarine est en mission pour le compte du ministère des Outre-mer. Rosana Maihota a pu rencontrer Babette de Rosière aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis mon séjour que je mange une cuisine sincère, inventive, avec des produits locaux et qui a du goût. Donc ça veut dire qu'on peut faire, qu'on peut créer une identité culinaire propre à la Polynésie. J'ai mangé la toute de mahi mahi aux légumes d'ici, fait avec une béchamel de lait de coco. C'est simple, je sais faire les toutes. Mais là, faites comme ça, avec une croûte de pain mijotée avec les légumes d'ici, avec du ourou, avec du taro, avec tout ça, c'est une belle invention. Et quand j'ai mangé le bourgeon de ourou, c'est le bourgeon de frites à pain, ça ne me viendrait même pas à l'idée de faire une cuisine avec ça. Et pourtant, nous avons le frites à pain partout. Ça, c'est une belle invention. Et j'ai adoré. Mais je pense que Babette, elle va vraiment donner un coup d'accélérateur pour que les plats polynésiens soient plus vus à la télé, quoi. Et ça, c'est franchement, c'est cool. Ah, très content, ouais. C'était vraiment intéressant. Ouais. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.